the Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Quand vous aurez fini ces cailloux, vous vous occuperez de cela. Là-bas! Oui, monsieur Joe. C'est un honneur de vous casser les cailloux, messieurs les Dalton. Avril, arrête de te casser les cailloux. C'est vrai, ça laisse les bosser pour toi. On a une réputation à défendre. Je laisserai personne me casser les cailloux. Ce sont mes cailloux à moi et je me les casse tout seul. Sinon, ce sera mal fait. Imbécile! Bienvenue, cher Billy. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Du reste, la maison s'enorgueillit déjà des pires crapules de l'Ouest, les Dalton. Les quoi? Jamais entendu parler. Vraiment? Voilà votre place, votre masse et vos cailloux personnels, monsieur Billy. Si vous avez besoin de la moindre chose, n'hésitez pas. J'espère que vous vous plairez chez nous. Allez, les Dalton, au travail! Vous êtes dans un pénitencier tout de même. Hé, hey, toi, casse-moi ça. Tout de suite, monsieur Billy. Monsieur Billy, laissez-moi vous cacher les cailloux. Ah, moi, monsieur Billy, je suis le roi des casseurs de cailloux. Ah, laissez-moi casser les cailloux. Monsieur Billy, pouvez-vous me dédicacer ce galet pour ma vieille mère? Je sais pas écrire. Oh, monsieur Billy. Hé, hey, toi, mon, faut que je t'explique un truc. Ici, le caïd, c'est moi. Moi et mes frères. Ah ouais? Et t'es qui, toi et tes frères? Les Dalton. On est les Dalton. Et je ne laisserai pas un sale marmot à qui on presserait le nez qu'il en sortirait encore du caramel faire la loi dans mon pénitencier. Je vais. Je suis pas un marmot. Je suis le plus grand bandit de l'Ouest, pauvre nabo. Je suis pas un nabo. Et c'est moi et mes frères, le plus grand bandit de l'Ouest. C'est moi et Avorton. J'ai écumé tout l'Ouest, du Nord au Sud. C'est moi, Morpion. J'espère la terreur dans tous les états à l'Ouest de tout l'Est. C'est Billy. C'est Joe. Billy. Joe. Moi, c'est moi. C'est moi. Tiens, moi. Casse-lui la figure, Joe. Une armée. Ma remise de faillot sur Billy. Ma remise de faillot, Joe. Et alors, j'ai dit au shérif, si t'as une étoile, c'est sûrement pour monter plus vite au ciel. Oh. Et il s'est transformé en étoile filante. Faites semblant de rire. Brillez, je vous dis. On va leur montrer que nous aussi, on rigole bien. Hé, hey, les gars, on dirait que Joe en a une bien bonne aussi. Et alors, j'ai dit ça comme ça, au shérif, oui. si t'as une étoile, c'est sûrement parce que t'es shérif. Ah. Il vieillit, Joe. Ouais, il est old school. C'est un has-been. Pas comme Billy. Ouais, lui, c'est pas un ringard. Avril, la ferme. Je le hais. Ignore-le, Joe. Tout le monde sait bien que c'est toi la pire crapule du pénitencier. C'est toi le plus méchant, Joe. Et question bêtise, il t'arrive pas à la cheville. Vous êtes gentil.
Je vais lui montrer moi qui est le plus grand bandit de tout l'Ouest. Tu vas descendre, Lucky Luke. Lucky Luke. Et bien sûr, pas vrai. Je t'aime. Que ça a pas la tête. M'en veux. C'est à moi que tu causes, Razmot. Je te lance un défi pour savoir qui est le pire bandit de tout l'Ouest pour de vrai. Laisse tomber, c'est moi. Toi, t'es pas de taille. C'est ce qu'on va voir. D'abord, on s'évade et le premier qui descend Lucky Luke a gagné. Lucky Luke. Top là, Nabo. Hein? Je suis pas un Nabo. Nabo. La réserve de cailloux sur Billy. Les chaussettes en l'air sur Joe. Mais non, non, sur Billy. La pioche à grand arrêt sur Joe. Mon 13e mois sur Billy Jackid. Ma retraite capitalisation sur Joe Dalton. On sera les premiers dehors. On est quatre à creuser. Et lui, il est tout seul. À toi de creuser, William. Mais Joe, pour creuser, faut que je passe devant toi. Et le tunnel est beaucoup trop étroit. Vous avez bien dit qu'il valait mieux creuser un tunnel chacun, comme d'habitude. Allez, plus vite. Attention, les gardes. Attendez, monsieur Billy, on va vous aider. On a parié sur vous. Bon, on n'a plus qu'à trouver des armes et des chevaux. Pourquoi t'as gardé ton boulet, à vrai? Comme ça, on n'aura pas à me le remettre quand Lucky Luke nous ramènera. À nous deux, Lucky Luke. C'est la diligence. Les Dalton et Billy the Kid. On a été attaqués par les Dalton et Billy the Kid dans la même journée. Tout va bien, Bibiche, tout va bien. Sam Bullshitter, du Middle of Nowhere City Telegraph. Où cela s'est-il passé? Non loin de Petoschgel. Je savais d'une d'intervalle. Oh, mon cœur. Je suis là, Bibiche. Et que vous ont-ils dérobé? Rien. Hein? Vous êtes en train de nous dire que vous avez été attaqué par les Dalton et Billy the Kid et qu'ils ne vous ont rien volé? Ils voulaient simplement savoir où se trouvait Lucky Luke. Lucky Luke? Ah! Lucky Luke! Lucky Luke! Ah! Bien sûr qu'il s'agissait des Dalton et de Billy the Kid. Absolument catégorique! Ils ont fait un pari! Un pari? Ouais! Le plus grand bandit de l'Ouest sera celui... celui qui vous descendra, Lucky Luke. Ça va être le duel du siècle. Que les Dalton et Billy the Kid veuillent me descendre, c'est pas un scoop. Ce qui m'étonne, c'est que le directeur du pénitencier ne m'ait pas prévenu de leur évasion. Il a peut-être parié, lui aussi. Télégramme pour Monsieur Luke. Ah, tout de même. Dalton et Billy the Kid évadés, stop. Vous cherchent pour vous descendre, stop. Que le meilleur gagne. Ça fait chaud au cœur. En piste, old boy. On a encore les quatre plus grands affreux de l'Ouest à rattraper, plus un affreux bonus en prime. Le pari le plus excitant de l'histoire de l'Ouest. Voilà un article qui va faire du bruit. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid descendra Lucky Luke? 10 ans d'efforts, Gédéon. Mais ça valait la peine. La chance nous a finalement souri. Des cavaliers. Les Dalton, ils vont nous voler notre pépite. Non, non, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas. Non. Nous cherchons Lucky Luke. Vous savez où il est? Hein? Lucky Luke? Ouais, vous l'avez vu dans le coin? Non. Allez vite, il faut le retrouver avant ce sale marmot. Non, je veux pas de votre argent et je veux pas voler l'or du fourgon blindé. Je veux seulement savoir si quelqu'un sait où je peux trouver Lucky Luke. Je fouillerai l'Ouest du Nord au Sud, mais je le trouverai. Je vais te régler ton compte, morveux. Mais Joe, je croyais que c'était Lucky Luke qu'il fallait descendre. Lucky Luke, on le descendra après. Y a que les Avrels qui changent pas d'avis.
Mais Joe, si tu descends Billy, on saura jamais qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest. Au contraire, crétin, si je le descends, il restera plus que nous pour être le plus grand bandit de l'Ouest. Bah, et le pari? Et Lucky Luke? Je suis là. Elle, ne touche pas à ton colt. Aïe! Aïe! Tu devrais être content, Joe! Tu l'as enfin trouvé! Quand on me cherche, on me trouve. Lâche ton arme, Lucky Luke! J'ai mon colt pointé sur ton omoplate gauche! Je vais te descendre, Lucky Luke. Alors, les minables, qui c'est le plus grand bandit de l'Ouest? Hein? C'est moi! J'avais un deuxième revolver, j'allais le descendre, il est à moi! Ah non! Il est à moi! C'est exact, Billy. Je n'avais pas vu que Joe avait un deuxième revolver. Normalement, c'est lui qui aurait dû me descendre. Mais je dois reconnaître que Billy m'a surpris, alors que je vous avais surpris. Et maintenant que je suis désarmé et que vous pouvez tous les deux me descendre facilement, ça ne prouverait plus rien. C'est un match nul, en somme. Quitte à me faire descendre, j'aurais aimé l'être par le plus grand bandit de l'Ouest. Hélas, on ne saura jamais qui c'est. C'est moi! Non, moi! Laissez mijoter quelques secondes. Impossible de trancher. Puis retirez du feu. Mais il y a peut-être une solution. Quelle solution? Trouvez une autre épreuve pour vous départager. Le vainqueur me descendra. Au lieu d'être l'épreuve, je serai le gros lot. Quelle épreuve? Eh bien, par exemple, celui qui fait le plus peur aux honnêtes gens. Sans même avoir à les menacer. C'est moi! Non, moi! Il n'y a qu'à aller à la ville la plus proche et faire le test. Il y a une entourloupe. Chaque fois que je t'ai écouté, il y avait une entourloupe. Ah, t'as les voix. T'as peur de perdre. Chantal, t'as pas les voix. Pétoche Gulch. Avec un nom pareil, cet endroit me paraît idéal pour notre petit concours. Je vais aller me poster au milieu de la grande rue pour faire l'arbitre. À mon signal, les Dalton la prendront par l'est et Billy par l'ouest. Vous vous rejoindrez au milieu et celui qui aura comptabilisé le plus d'honnêtes gens effrayés aura gagné et me descendra. Super! J'en jubile d'avance. Ok, mais tu vas y aller à pied. Et pas d'entourloupe, on t'a à l'œil. Presque hors de portée de leur colt et ils ont le soleil en face, mais je dois faire vite. Où sont les habitants? Cette ville a l'air déserte. Hé, hey, l'ami! Aide-moi à me détacher! J'ai rien vu! J'ai rien entendu! Shérif! Shérif! Ah, où est passé ce coyote de Luke? Shérif, je suis Lucky Luke! Vite! Aidez-moi! Cette eau est vide! Vous faites erreur! Dernier espoir, le salon. Ah! Je le vois qui court! Qu'est-ce qu'il attend pour donner le signal? Où est passé Lucky Luke? Vous le voyez, vous? Non, Joe! Il nous a doublés, j'en étais sûr! En avant! Mais Joe, c'est de la triche! Faut attendre le signal! Oh, les tricheurs! Ils sont partis avant le signal! Aidez-moi à me détacher! Les Dalton et Billy the Kid sont à l'entrée de la ville! Pétoche Gulch. Dire que cette ville portait bien son nom. Lucky Luke, tu m'auras plu avec ton baratin. Je te descends d'abord et ensuite je t'écoute. Reviens ici, tricheur. J'ai bien regardé partout. On a effrayé personne pour le moment. Lucky Luke, où t'es passé? Et le plus grand cheval de l'Ouest, c'est qui? Oh! Où vous vous planquez, bande de tricheurs? On n'entend plus rien. Faudrait peut-être aller voir. Pas la peine. Donnez juste les mains, ça sera moins fatigant. En route pour le pénitencier. Je me souviendrai de cette ville de Froussard. J'aurai ta peau, Lucky Luke! Non, moi j'aurai ta peau avant lui! Et puis j'aurai la tienne, sale mioche! Non, c'est moi qui aura la tienne, pauvre Minus! I'm a bold lonesome cowboy. Ce n'est pas normal, d'habitude l'histoire dure plus longtemps. Dernière édition! Tout le nouveau mec.
Galaxique se passionne pour le pari du siècle. 50 en Billy Zakid. 3 mois de solde sur les Dalton. Les économies et un fichu au crochet sur Billy Zakid. Un traité signé de la main du grand chef blanc sur les Dalton. Demandez le Middle of Nowhere City Telegraph. Qui des Dalton ou de Billy the Kid est le plus grand bandit? Qui descendra le kilo? Mais que voulez-vous que j'en fasse? Les garder dans votre cellule jusqu'à demain matin. Votre métier, c'est bien shérif, non? Mais le duel du siècle! Les paris! Il a tes quarts de portion! C'est quand la soupe? Voyons, monsieur Luc, tout le monde a parié ici! Ça peut pas finir comme ça! On ne saura jamais qui est le plus grand bandit de l'Ouest! Je vous rappelle que l'enjeu de ce pari était de m'abattre. Bah ouais! Vous auriez pu faire un effort! C'est vrai ça, vous ne pensez qu'à vous! Et... C'est un plaisir de protéger des gens comme vous des crapules. C'est quand même pas un justicier qui va faire la loi chez nous! C'est bon, il a tout mangé, il dort. Tu es sûr qu'il a mangé le somnifère? Oui, je lui ai mis une dose de cheval, n'ayez pas peur. Alors, parlons peu, mais parlons bien. À voix basse, on ne sait jamais avec un cheval comme Lucky Luke. Ils viennent pour nous lâcher! Mais que fait le Kélu? Allez, Billy! Allez, les Dalton! Allez, Billy! Allez, les Dalton! Chut! Lucky Luke! Allez, les Dalton! Allez, les Dalton! Allez, Billy! Allez, les Dalton! Allez, Billy! Cher Dalton, cher Billy, de très fortes sommes ont été engagées sur vous. L'élection du plus grand bandit de l'Ouest est un sujet qui nous passionne. Mais sans tuer Lucky Luke, ce n'est pas politiquement correct. Et il risquerait de se fâcher. Aussi, avons-nous décidé de décerner le titre de plus grand bandit de l'Ouest à celui qui rapportera d'ici ce soir le plus gros butin. Alors messieurs, pillez, volez, attaquez. Surtout toi, Billy. Hein? J'offre un mois de consommation gratuite aux gagnants. 3 kilos de sucre d'or. 6 mois d'abonnement gratuit au Middle of Nowhere City Telegraph. Et moi, un cercueil entièrement capitonné. Que le plus mauvais gagne. Ya! Ouais. Ils nous ont dit de piller? Ouais. Ils nous ont dit d'attaquer? De voler? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent! Épiche! Ils viennent attaquer la ville! Parier sur Billy. Nous autres Sioux avons parié sur petit Dalton Teigneux. Ouais! Merci, grand chef! Notre favori à nous, c'est Billy. Il est si mignon avec ses taches de rousseur. Désolé, Billy, j'ai parié sur... Désolé, mais je crois que ce qu'il y a dans ce sac dépasse largement le montant des paris. Monsieur Luc, réveillez-vous. Ils sont tous devenus fous. Monsieur Luc, Monsieur Luc, vite, il faut faire quelque chose.
Monsieur Luc, il faut vous lever! Sauvez-nous! C'est vous le justicier! Du café. Quelques litres. Nous sommes confus, Luc et Luc. Faut le comprendre. Nous avons si peu de distractions par ici. Hein? Oui, c'est ça, du café salé. Une autre. Y'en a marre de ce concours idiot. On va régler ça dans la tradition, entre crapules du même monde. T'as raison. Y'a un plus grand bandit de l'Ouest de trop dans cette ville. Moi, j'en vois deux. Hein? Mes bottes réglementaires sur Billy. Ma bannière étoilée sur les Dalton. Une couverture typique sur Luke et Luke. Je m'occupe de Luke, occupez-vous de Billy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'occupe de Luke et nous de Billy. Non, moi je dégaine plus. Ça me fait mal aux pieds. Tu te dégonfles encore, Nabo. T'as tellement peur de moi que tu demandes à tes frères de faire ton boulot. Ok, tirez sur Luke, moi je m'occupe du sale marmot. Attends, Joe, j'ai rien compris. On tire sur qui au juste? Dans le tas, on tire dans le tas. Je vous déclare ex aequo en tant que plus mauvais tireur de l'Ouest. Allez, entre. Ils vont être déçus, les copains du pénitencier qui ont parié pour le plus grand bandit de l'Ouest. La ferme! Vous voyez, j'ai bien fait de garder mon boulot. La ferme. Merci, Lucky Luke, de nous ramener ces 5 galopins. Savez-vous que nous avons accueilli dans nos murs le plus grand bandit de l'Ouest? Aïe, qui m'a marché dessus? I'm a bold, lonesome cowboy.